Mesdames et messieurs, salut aux warriors de Monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique, salut à tous mes abonnés, merci de continuer à me soutenir, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification et ici à côté, ici donc, je sais pas là où les doigts pas, hop, hop là, ici donc, cliquez là-bas pour regarder une nouvelle vidéo, c'est toujours 100% Fally Ipupa. Aujourd'hui les sujets comme c'est le samedi, nous allons parler de la télé-réalité de l'artiste musicien Fally Ipupa. Nous allons un peu dénicher là où Fally Ipupa fait ses déplacements et puis un peu rajouter sa famille, où est Keina Ipupa, où est Marco Sis, où est Jaden, où est sa femme Nana Ketchup. Toute la famille, comme sur le samedi, nous aurions l'occasion ensemble de regarder cette télé-réalité et après nous allons revenir pour boucler cette émission, pour vous faire toujours plaisir. Donc c'est comme ça avec les masters de la presse, la chaîne est la vôtre. Et je crois nous pouvons déjà commencer à aller voir qu'est-ce qui fait Fally Ipupa au studio, parce que Fally Ipupa a écrit hier soir qu'il est revenu au studio. Est-ce que c'est un album rumba? Est-ce que c'est encore un album international? Est-ce que Fally Ipupa nous prépare seulement un single? Est-ce que ça sera quelque chose de surprise? Est-ce que Fally Ipupa veut laisser l'album Tokos 2 pour faire sortir d'autres chansons? Écrivez-moi aux commentaires et dites-moi si vous êtes pour que Fally Ipupa puisse d'abord abandonner l'album Tokos 2 pour entamer avec de nouvelles chansons, ou soit Fally Ipupa doit d'abord se focaliser avec l'album Tokos 2 après même une année, deux ans. Comme ça, il peut déjà commencer à sortir d'autres chansons. Ou bien vous êtes pour avec l'album Tokos 2 et un nouveau single qui peut frapper aussi. Ça peut être aussi un tube. Je ne sais pas. Écrivez-moi en haut commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que Fally Ipupa doit sortir un nouveau single? Est-ce que Fally Ipupa doit sortir un nouvel album, un rumba? Ou soit d'abord laisser l'album Tokos 2 démarcher? Pour ça, nous allons voir la vidéo ensemble. Comment est-ce que Fally Ipupa était au studio? C'est parti. Ici dans la vidéo, on est en train de voir comment est-ce que Fally Ipupa danse dans les studios, comment est-ce que Fally Ipupa est en train de préparer des chansons. Je crois lui-même il a écrit en anglais en bas « Back to the kitchen », ça veut dire « Reviens dans la cuisine », là où tout ça se prépare. Donc Fally Ipupa est en train de préparer des bonnes choses. On regarde déjà la vidéo ensemble comme ça, ça fait déjà plaisir avec Fally Ipupa. Donc on attend de bonnes choses. Et on attend du lourd, voilà. Ensemble, nous avons vu Fally Ipupa au studio. Qu'est-ce que Fally Ipupa a fait? Qu'est-ce que Fally Ipupa a chanté? Personne ne le sait. Mais quand même, je suis là pour vous relayer des informations vraies, des informations qui viennent de la source. Fally Ipupa est en train d'enregistrer de nouvelles chansons. Fally Ipupa est en train d'enregistrer quelque chose qui va frapper aussi. Ça sera parce qu'avec Fally Ipupa, c'est toujours du bon, c'est toujours du merveille. Avec Fally Ipupa, c'est toujours du carton. Donc, je crois à Fally Ipupa toujours. Je crois à ses capacités. Je crois à ce que Fally Ipupa peut donner. Après les studios de Monsieur Fally Ipupa, après tout ce qu'on a vu, il y avait une fête qui s'est passée à Paris. Beaucoup de gens ont dit parler des spéculations. Marco Sis, Keina, c'est son frère et sœur, mais il n'y a pas de la relation, il n'y a pas ceci, cela. Keina et Marco Sis, ces gens-là ne parlent pas. Patati, patata, on n'a jamais vu une photo ensemble, on n'a jamais vu Keina et Marco Sis ensemble, on n'a jamais vu patati, patata. Aujourd'hui, ensemble, nous allons regarder qu'est-ce qui fait Keina et Marco Sis. Donc, nous allons regarder ça ensemble et puis nous allons retourner pour voir qu'est-ce qui fait Marco Sis et Keina ensemble. Dans la vidéo qu'on est en train de voir maintenant ensemble, ça c'est Keina qui filme avec son téléphone l'arrivée de Marco Sis à la fête. Voilà, on a vu la vidéo, Keina qui est en train de filmer l'arrivée de Marco Sis à la fête. Donc ça ne sert à rien de spéculer, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de trop parler. Fally Ipupa est un père de famille, un vrai père de famille, quelqu'un qui sait garder sa famille en solidité, quelqu'un qui sait vraiment, je peux dire, quelqu'un qui se donne pour sa famille, il travaille pour sa famille, il fait des cadeaux pour ses enfants, comme on avait à l'anniversaire de Keina. Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui travaille au four, au moulin, pour que sa famille puisse être unie, pour que ses enfants puissent y avoir tout dans ce monde. Keina faisait des études, Marco Sis aussi faisait des études, tous ses enfants font des études. Il y a même Malka qui parle anglais, il y a même, il y a plus, donc on peut pas seulement dire à ce qui concerne la langue, mais quand même Fally Ipupa s'est montré
comme un père de famille, s'est montré vraiment comme quelqu'un qui se bat pour sa famille, malgré du succès, malgré tout ce qu'il fait. Il est toujours derrière sa famille pour un peu épauler ses enfants, épauler sa femme. Et donc, ça, c'est un vrai père de famille qui veille à sa famille, qui veille à ses enfants. Donc, c'est comme ça avec l'artiste Monsieur Fally Ipupa. Maintenant, nous allons voir. Qu'est-ce qui est en train de faire la petite qu'on connaît tous, la star, notre star, Malka Ipupa. On a vu Malka Ipupa chanter la chanson de Fally Ipupa. Nous allons voir la vidéo ensemble, comme ça nous allons retourner pour parler encore de la télé-réalité de Fally Ipupa avec toute sa famille aussi, comme c'est le samedi. Regardons la vidéo ensemble. En regardant la vidéo ensemble, comment. Voilà, nous avons regardé ensemble la vidéo. Comment est-ce que Malka Ipupa est entré de chanter la chanson de son père Fally Ipupa, la chanson 8e merveille. Après tout ce que on a vu avec Malka Ipupa, Keina, Marco 6. Aujourd'hui, on va voir la photo que je vais vous présenter. C'est une photo qu'on a prise là où Marco 6 et Jaden sont en train de se coiffer. Vous allez voir comment ce que Jaden a grandi. Jaden a vraiment grandi. Jaden aujourd'hui, je peux dire, c'est un homme. C'est quelqu'un qui sait déjà réfléchir. C'est quelqu'un qui sait déjà marcher avec ses pieds soi-même. C'est quelqu'un qui sait déjà prendre soin d'elle-même. Donc, c'est une personne qui peut déjà se déplacer et faire tout ce qu'il veut soi-même. Donc, ça, c'est la photo que vous êtes en train de voir dans le salon de coiffure. Marco, si c'est. Et Jaden, donc ça c'est Jaden que je vous présente, c'est aussi l'un de l'enfant de Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa vraiment, c'est quelqu'un à féliciter, c'est quelqu'un à jeter de fleurs parce que malgré tout ce qu'il est en train de faire, il a toujours gardé sa famille. Comme je l'ai toujours dit, la famille c'est la priorité dans ce monde ici. Il faut toujours balancer entre les enfants, la femme et sa famille. Donc la famille c'est un cadeau de Dieu, donc on ne peut pas séparer sa famille. On ne peut pas laisser sa famille pour les succès. On ne peut pas laisser sa famille pour je ne sais pas quoi. Mais Fally Ipupa, c'est quelqu'un qui a déjà montré sa grandeur. Et comment est-ce qu'il est en train de garder sa famille à pied. Et comment est-ce qu'il est en train de protéger sa famille. Ça, c'est quelque chose à vraiment féliciter. Félicitations à l'artiste musicien Fally. Félicitations à tout ce qu'il est en train de faire. Voilà, vous avez vu la photo. Maintenant, nous allons parler de la grand-mère, grand-prêtre-mère, mère de mère. Donc, vous êtes en train déjà de voir la vidéo des grand-mères et grand-prêtre-mère, mère de mère. Donc, Nana Ketchup, Bafana, Bafana, Mama, la Reine-Mère, Bafana, Mama, la Queen Mada, Yembela, Bafana, Mama, Mama, Mokonzi, Ayembela, Nayembela, Yambanga, Yakolanga, Bambanga, Bafana, Mama, la Reine Mère, Bafana, Mama, la Queen Mada, Yembela, Bafana, Mama, Mama, Mokonzi. Nana na yembeli bafana mama la Reine Mère bafana mama la Queen Mada yembela bana mama mama mokonzi. Voilà, ça c'est bafana la Queen Mada la Reine Mère. Donc nous allons voir la vidéo ensemble de Nana Ketchup avec ses enfants donc à la voiture en train d'écouter toujours l'album Tokos de Fally Ipupa. C'est parti la vidéo. Non,
Voilà, nous avons regardé la vidéo ensemble. Maintenant, nous allons boucler avec le même Fally Ipupa. Nous allons regarder comment est-ce qu'on a accueilli Fally Ipupa à Cotonou. Je crois que d'autres personnes ont déjà regardé la vidéo. Donc, c'est pour boucler l'émission 100% Fally Ipupa. Donc, regardons la vidéo ensemble et puis nous allons boucler cette émission télé-réalité avec l'artiste musicien Fally Ipupa. Fally Ipupa. Champion, moi je me fais 2 heures. Non. Ah, ok. Et beau temps pendant le vol et beau temps à destination. Ouais. Ah. Et le 10 s'occupera de vous pendant le vol. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Si vous voulez venir dans le poste aussi, enfin, ce que vous voulez. Comme vous voulez. Bon vol. Et bye bye Cotonou. Next stop. Voilà Cameroun. Le 11 février. Terre. Cotos. Regardez la vidéo ensemble. Les fans et mélomanes de la bonne musique, et maintenant c'est à vous de me dire comment est-ce que vous avez trouvé le concept de télé-réalité à ma manière, à ma façon, un peu d'expliquer, montrer des photos, montrer des vidéos. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé, est-ce que je puisse continuer à faire des émissions pareilles, télé-réalité, par exemple samedi ou dimanche, pour vous informer où est Nana, où est les enfants de l'artiste, où est Fally Ipupa. Donc dites-moi en commentaire sur ces.
restons branchés à plusieurs émissions. Donc, pour un prochain numéro, cette émission 100% Fally Ipupa, je sais pas. Donc, je vous aime beaucoup. Et n'oubliez pas toujours à s'abonner massivement, activer la cloche des notifications pour ne rien rater et surtout liker et partager la vidéo. Et ici, en haut, cliquez pour regarder une nouvelle vidéo. Moi, je vous laisse. Donc, tout le monde, on va laisser. Bye.